Et salut meute, c'est tous. On est parti pour la suite d'aventure sur Dead Space. Là où dans l'espace, personne ne nous entendra hurler. Tu me regardes de travers. C'est notre dernière chance de partir d'ici vivant, Isaac. Il y a un astéroïde chargé dans l'air des mineurs prêt à être traité. Fixe la balise de détresse sur ce caillou, comme ça on pourra l'éjecter dans l'espace pour émettre correctement. Va sur le pont inférieur de maintenance. Tu peux lancer la balise depuis la salle de contrôle. Oh, merde, cette salle est verrouillée. Il semblerait qu'une clé d'accès d'urgence se trouve sur le pont inférieur d'embarquement. C'était trop facile, hein. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Mais j'aime bien vous embêter tout le sec, c'est très drôle. Je rappelle que j'ai investi 80 balles dans les tenues, donc c'est pas pour les jeter comme ça, toi. Attends, j'ai pris des trucs que j'ai pas. Relivaille. Je suis en train de me faire engueuler par... par la tata. Mais comme je lui ai dit, elle sait très bien que c'est pas type, que sinon je m'amuserais pas à avoir acheté 80 balles pour la tenue, pour les deux tenues. Faut que je descende donc dans tous les cas. Je suis au traitement déjà. Par contre, faut qu'un mec qui soit. Je pense que je mettrais Coco, parce que Coco pourra être différent, je pense, un peu plus dans la journée. Comme c'est week-end déjà. Donc je pense que je la mettrai aussi en modérateur le temps de la journée.
Là, à mon avis, des mecs qui ont une foutu nos gueules et compagnie, on va en avoir sur le live. Donc, faut faire quand même qu'on ait au moins des personnes rapidement, tu vois. Au moins tôt. Et voilà. Et il faudra surtout, les gars, balancer un maximum de clips pour qu'on puisse faire un truc particulier. Surtout si vous voulez des traces de ce qui est. Oh, c'est pas possible. Zone sans gravité. La porte d'embarquement a une sécurité. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. Mais tu ne peux pas la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Essaie de déplacer vers ce rayon de gravité par télékinésie. Détruit. Allez hop. Anomalie détruite. Pour la pesanteur. Que les secondes soient des heures. Anomalie mouvante toute détruite. Vous pouvez restaurer la gravité. Gravité restaurée. Accès salle de contrôle autorisée. Yeah.
rappelle que les petits ils explosent, ces bâtards. Constat œuvre. Recycler les matériaux usagés régulièrement. Merci. Genre maintenant, saloeur. Plus coco. Bon appétit. Je sais pas, mais ça j'ai l'impression que je me rapproche un peu de la fin, non, Levi? Je me rappelle plus exactement comment elle est la fin du jeu. Chapitre. Isaac, est-ce que c'est bien toi? Ça fait tellement longtemps. Mais je peux t'aider. Rejoins-moi. La valise est dans l'entrée.
entrepôt, près de toi. Je dois pouvoir le déverrouiller d'ici. Tiens bon. Surtout que de mémoire, elle, on est d'accord que je crois pas qu'elle soit vraiment là, quoi. T'es en train de me faire mal avec tes griffes. Ça, je dis pas. Ok, la porte est ouverte. Pas trop chaud, mais je vais chercher. Je t'aime. Tout sera bientôt fini. Isaac. J'ai perdu ton signal un moment. J'ai cru que tu étais... Je vois que tu as la balise. Rends-toi à la zone de forage et fixe-la à l'astéroïde. D'après la simulation, il faut qu'on se dépêche de l'avancer. Comme ça, elle pourra atteindre rapidement la distance optimale de transmission. Toujours rien pour Amand. À vrai dire, je ne fais plus trop d'illusions. Munitions, je commence à me manquer un peu. Il va falloir quand même que je refasse le plein de munitions. Protection requise en toutes circonstances dans les zones de classe A. Tu devras les désactiver pour le lancer. Thank you.
Force maximale. Oh, j'ai la barre de vie la plus longue avec les petites ailes. Le premier, j'ai balancé le générateur dans la gueule. Il y en a un, genre il faut que j'arrête sur le laser. Pourquoi je les arrête sur le laser, je crois justement. Ah, faut quand même tirer sur les cellules, oui, d'accord. C'est ça que j'ai oublié. Oh putain.
Mais j'ai bien que c'est ça que j'ai oublié. Je monte dessus, que je sorte, non, c'est pas ça. Alors c'est pas faut que je monte dessus, faut que je monte sur le caillou, que je sorte dehors. Très con, très très con ce que j'ai fait. Très très con. Entrée zone sans air. Non entraîné et prié de quitter la zone. Déjà pour l'envoyer. On sort peut-être. Sortie zone sans gravité. Ah, faut reprendre le truc, putain.
2 lancée. Signal envoyé. La balise fonctionne et la fréquence est assez large. Il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un nous reçoive. Je vais repositionner l'antenne. J'ai encore cru apercevoir mon frère. Il m'appelait. Il semblait heureux. Ok. On devrait pouvoir laisser ce canal ouvert. Quoi ? Le récepteur de communication est mort. Isaac, tu peux rejoindre la passerelle ? Si le récepteur reste dans cet état, on ne pourra entendre aucune réponse à notre signal. Maladie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Scheiße, les monstres attaquent mon Tegnere. J'ai pas du tout voulu faire ça. Là, il faudrait la musique d'ascenseur T. Ça c'est la, je crois que ça c'est l'image de la jaquette. Ça rig au menu au max, hop là, l'armure est au menu au max. Lui, on va le mettre un cran là, comme ça. Capacité, je peux aller jusqu'à 20 par chargeur. Voilà. On rajoute un truc de vitesse pour recharger plus vite, ce sera pas mal. Le truc, c'est qu'à me faire la meilleure résistance et c'est comment faire la meilleure résistance et surtout le meilleur inventaire. Ah, il reste encore. Je crois avoir encore 3 poissons. Je monte encore.
J'ai oublié le mob qui pouvait se décomposer. Chapitre 8. Il y a du nouveau. Je viens de repérer un vaisseau militaire, USM Valor. Je me demande ce qu'il fait dans le coin, mais il a dû recevoir notre signal. On ne peut pas le contacter avec l'antenne HS. Je vais déverrouiller l'accès aux communications. Va là-bas et trouve la station de contrôle. Bonne nuit à toi, mon petit veille. Repose-toi bien. Isaac, la porte des communications est ouverte, mais j'ai capté plusieurs signaux suspects sur notre fréquence. J'ai bien peur que quelqu'un ne nous écoute. Fais attention. Ça commence.
signal de bord radio. Premier opérateur Bailey hors rapport. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Matthews refuse catégoriquement l'envoi de tout appel de détresse. Il ne le dit pas, mais tout le monde connaît la raison. C'est une zone condamnée, et notre vaisseau n'a pas le droit d'être ici. On le savait tous, et on faisait avec. Mais maintenant... Mayday, Mayday, Mayday. Ici USG, ici moi. Je peux pas croire ça. Tout le système est coupé. Ça va trop loin, là. Terminé. Antenne communication HS. Un technicien a été prévenu. L'antenne est dans un sale état. Il nous faut au moins 6 émetteurs pour que le signal fonctionne. Fais attention à bien les aligner de façon symétrique pour l'optimiser. Zone sans gravité. Dernier. Et juste lui, le descendre en première place. SM Valor, nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre SOS. Nous avons recueilli une de vos capsules de sauvetage et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Quoi ? Ça ne serait
blinde a éjecté? Une de ces choses s'y trouvait. Oh merde. Non, ça se passera pas comme ça. USM Valor, répondez. Le signal n'est pas assez fort. J'ouvre la baie des propulseurs pour augmenter le signal. Erreur. Baie des propulseurs bloquée. Veuillez contacter un technicien. Merde! Isaac, il y a quelque chose sur la coque externe, vers l'antenne des communications. Ça semble organique. Je ne sais pas ce que c'est et je m'en tape. On doit ouvrir la baie pour que le ballon nous reçoive. Je pense que tu auras un bon angle de tir au canon 48. Va là-bas et éjecte cette chose dans l'espace. Qu'est-ce que tu fais? Manuel initialisé.
simplement aimé parler à quelqu'un. Oh, tout est allé de travers. Isaac. Isaac, vous êtes là? Dieu merci, vous êtes là. J'ai essayé de vous joindre, mais quelqu'un bloquait mon signal à distance. Cet accident a sûrement brouillé les signaux. Amand, vous étiez où? En enfer, ou pas loin. J'ai réussi à trouver de quoi me soigner et survivre. Écoutez, on laisse tomber cette sale mission. Que cette foutue compagnie aille se faire voir avec tout ça. Il faut qu'on sorte de ce pétrin. Je crois qu'il y a une navette sur le pont d'équipage. D'après les registres, il lui faut un nouveau réacteur, mais on devrait pouvoir récupérer celui du Valor. Je peux voir l'arrière de l'appareil dépasser d'un côté de l'Ishimura. Je vais tenter de me rapprocher pour trouver une entrée. Je vous retrouve là-bas. Terminé. Isaac, s'il y a bien une navette sur le pont d'équipage, on peut avoir une chance de s'en sortir vivant. Va vers la zone de chargement et regarde si tu peux l'aider. Dans son état, il tiendra pas longtemps. Isaac, bien, vous êtes dedans. Écoutez, le Valor transporte des munitions et des missiles. Sa présence n'a rien d'une coïncidence. Il n'était ni en reconnaissance, ni en patrouille. C'est une machine de guerre. Il venait là pour détruire quelque chose. Vous m'entendez? Isaac, j'ai encore perdu. Je ne reçois plus le signal d'Amand. Trouve-moi ce réacteur et décampe de là en vitesse. Zone sans gravité. Isaac, quand le Valor s'est écrasé, une capsule sensible s'est ouverte. Ces orbes verts sont extrêmement radioactifs. Ils ont déclenché une quarantaine. Tu vas devoir les jeter dans l'espace si tu veux pénétrer dans le vaisseau. Yeah.
objet radioactif retiré. Déchets radioactifs retirés. Déchets radioactifs retirés. Déchets radioactifs retirés. Danger éliminé. Arrêt verrouillage. Et les gars, on va s'arrêter là. Bonsoir. Une petite pause. J'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu. Moi, je vais me faire un petit truc à grailler parce que j'ai une dalle. J'ai une dalle monstrueuse. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Donc, ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.